Salut mes chers élèves, aujourd'hui nous allons traiter un exercice qui fait partie du programme des deuxième année sciences maths et de la deuxième année PC, mais aussi de la deuxième année SVT. Dans le cadre de l'étude de la transmission de l'information génétique et des mécanismes de son expression, on propose les données suivantes. Le caractère de pilosité chez la race des chiens mexicaine est gouverné par un gène non lié au sexe, un deux allèles grand H petit R, petit H petit R. Pour sélectionner des chiens mexicains à peau nue, chiens hairless, un éleveur a réalisé plusieurs fois des croisements entre des mâles et des femelles de phénotypes différents, présence ou absence de poils. Les résultats obtenus sont présentés dans le document 1. Donc, nous allons nous intéresser à l'étude de ces croisements. Prenons par exemple le premier croisement, chien à poil, chien normal, et chienne normale à poil. Donc, dans la première génération F1, on obtient deux chiottes toutes normales. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent, ils ont le même caractère. On note ici que F1, ils ont tous le même caractère. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Chaque fois que F1 est homogène, c'est-à-dire toute la génération a le même caractère, on peut déduire que les parents sont de lignée pure, c'est-à-dire homozygote. Endomada que l'allèle qui gouverne l'obtention du poil, juste le marat. L'allèle qui gouverne l'apparition du poil, qu'est un endom, juste le marat. Mam Khaltin, sont de race pure. On passe au deuxième croisement. Qu'est-ce que le deuxième croisement? On a même quelque chose de la siyade la tenhaï. Déjà, les données galuna n'est pas liée au sexe. Les moumkina sont anna ou anna l'aba m'soulala naqiya. Il y a lignée pure. Deuxième croisement. Un chien normal à poil et chien hairless sans poil. Et dans un chien normal à poil, ils sont de lignée pure. Il y a le premier croisement. Donc, au niveau du résultat, on note l'apparition de deux phénotypes différents, normal à poil et hairless sans poil. Hairless. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Toujours, chaque fois. Où on trouve F1 avec deux caractères, on peut conclure que les parents ne sont pas de lignée pure. Ou bien seulement un des parents peut être, n'est pas de lignée pure. Et là, le chien normal, il est de lignée pure. Donc, chien RLS, on a les qui sont hétérozygotes, c'est-à-dire ne sont pas de lignée pure. Qu'est-ce qu'on peut conclure aussi, Hena? Eden. En ce qui concerne le chien RLS, c'est un chien hétérozygote. Il a les deux allèles. Allèle qui contrôle la présence du poil et l'allèle qui contrôle l'absence du poil. Donc, il a les deux allèles et le phénotype, c'est celui de l'allèle RLS. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, dit l'allèle qui contrôle le phénotype RLS, en présence de l'allèle qui contrôle l'apparition du poil, avec l'allèle qui contrôle l'apparition du poil, ma s'attache. Il est comme ça avec le phénotype, mais qu'est-ce qu'il y a l'apparition du poil? Il est américain ou juge, ou est-ce qu'il y a l'autre? Je avec le gène qui contrôle la disparition du poil, c'est-à-dire la non-apparition du poil. C'est-à-dire le phénotype RLS. Donc, c'est un gène
qui est dominant. Ordinateur, grand H, petit R. Et donc, chaque fois que l'on a un gène dominant, comme symbole, on prend le majuscule pour désigner l'allèle dominant. L'allèle récessif, c'est celui qui contrôle l'apparition du poil, c'est-à-dire le chien à poil ou bien le chien normal. Donc, on lui désigne par petit h, petit r. Et dans chaque fois qu'on a un hétérozygote, on peut déterminer à partir de l'hétérozygote soit la dominance, soit la codominance. Mais si on a l'individu qui a deux allèles, tu vois le phénotype de ce qu'on a dit. Et là, il y a un chien RLS, il y a deux allèles. لأنه عندنا هنا H F A n'est pas homogène ما عندهمش نفس الصفة كاين دو فينوتيب كاين نورمال à poil RLS sans poil par contre هنا إلى جينا لنا أنت ال F A كلها هي عندها نفس الصفة إذا هادو كاملين هاد لي بارون سون دو لينيو بيور alors هنا هذا ديجا عرفناه بأنه دو لوني بيغ شيان نورمال هاهي هنا أبوال هي هادي إذا دايما وقت ما لقيتي نورمال لأن لقيتيهم هنا درتي كخوازمون قلتي بأنهم سون دو لوني بيغ تيبقى هذا هو كي ني با دو لوني بيغ وتنعاود نكرر كيفاش تعرفنا لأنه عندنا هاد لا جينيراسيون n'est pas homogène, qui a deux caractères. Et on a troisième croisement entre chien RLS, son poil, achatana, tana normal à poil. Adati Audi, et qu'est-ce qu'il y a de normal à poil récessif, un tâche, les canadiens RLS, RLS. On a un normal à poil ou RLS à poil RLS à poil sans poil donc chien RLS il contient deux allèles grand H petit r et petit h petit r c'est à dire il est hétérozygote il n'est pas de race pure deux zones chauffeaux il a la première question, à partir du résultat du croisement 1 et 2, donnez les génotypes probables des chiens normaux et des chiens RLS. Justifiez votre réponse. Les chiens normaux sont homozygotes, ils possèdent petit h, petit r. Pourquoi? Parce que lors du croisement entre une chienne normale et un chien RLS, on a obtenu la première génération qui n'est pas homogène. C'est-à-dire que le chien RLS, il contient deux allèles. Il est hétérozygote. Et puisque son phénotype, c'est RLS, donc le gène qui contrôle ce phénotype-là, il est dominant. هادشي اللي تنقولو دابا هو لي جيستيفيكاسيون دونك بور لو جينوتيب دي شيان نورمو سي بتي تاش بتي تير بوركوا باسكو سون دو راس بور لور دو كروازمون اونتر شيان نورمال اون شيان نورمال اون اوبتيان توجور اون ديسوندونس هوموجين اي En ce qui concerne le génotype du chien RLS, il s'écrit grand H petit r sur petit h petit r.
Elles sont portées par du chromosome, des autosomes, chromosomes autosomaux, puisque dans les données de l'exercice, ils ont signalé que ce gène-là n'est pas lié au sexe. Dans la deuxième question, dans l'interprétation chromosomique du croisement 3, du troisième croisement, on voisine donc par un échiquier de croisement. Donc, le conseil est ممكن نعطيكم هنا بالنسبة لهذه النتائج هذه لو ريزولتا اكسبيرمونطو دائما ردوها نسب مئوية غادي نصاوبوا البورسنتاج ديالنا اذا بالنسبة للشيوط نورمو ابوال سي 6 سير 18 18 هي لا سوم 12 بلس 6 فوا 100 غتعطينا 33,33% alors que pour شيوط ارلس سون بوال 12 sur 18, ça va donner 66,66%. Les pourcentages, ça nous rappelle le pourcentage de gènes létal. Mais je ne sais pas le gène létal, il y a le résultat expérimental. Donc, comme il a 33,33% ou 66,66% بالنسبة للدومينو تتقول on est dans le cas d'un gène létal. وكذلك إلا عندك مثلا le récessif avec une fréquence de 30% et le dominant avec une fréquence de 70%. Donc on parle aussi de gène létal. لأن ما عندناش هذيك 75% ديال الدومينو 25% إذا النصيحة اللي نعطيكم دائما وقت ما كان عندكم شي تمرين بحال هذا الشكل هذا النتائج التجريبية ردوهم نسب مئوية إذا هنا ديجا قبل ما نخدموا حنا هذاك لي شيكي دكاميت عرفنا بأنه راه عندنا أنجيل ليطال واللي غادي يكون لو جينوتيب ليطال هو غران اش بتيتيغ على غران اش بتيتيغ سائد على السائد إذن هنا غادي نصاوبو لي شيكيت غاميت ديالنا عادي وغادي نحيدو منه لأن غادي نلقاو اون كونتراديكسيون ما غاديش نلقاو لو ميم ريزولتا لو ميم فريكونس كو لي فريكونس تروفي لور دو ليكسبيريونس رياليزي او نيفو دو تخوازيام كروازمون دونك غادي نجيستيفا باغ لا بريزونس دان جين ليتال وكي درنا تعرفنا انجيل ليطال قلت كاينه طريقه وحده هو هاد النسب هادو هاد النتائج هادي تطبق نسب مئويه الى حصلتي على 30% المتنحي الريسيسيف و 70% الدومينو او 33% الريسيسيف و 66% الدومينو اوني دون لو كا دانجين ليطال دونك لو كورفيجي غادي يكون على الشكل التالي هذا هنا هو لو جينوتيب ليتال اذا شنو هي الخلاصه اللي ممكن نخرجوا بها انطلاقا من هذا التمرين هذا هي لا مانيير دو كونيتر لو كا دان جين ليتال il faut tout d'abord déterminer le pourcentage lorsqu'on trouve du pourcentage dans le cas de monohybridisme qui sont comme suit 33% pour le récessif 66,66% pour le dominant 30% pour le récessif ou bien 70% pour le dominant au lieu des fréquences 75-25, on parle d'un cas d'un gène létal. Donc, Tarek Abash Moumkin, Hiddou, Anna Timrit, Titalak, un gène létal. Moi, tu connais ta ischjribia, Tom Nisabmi Awiya. Ou tu m'chimes, tu m'as hafdin, le cas d'un monohybridisme, Anna ou la can gène létal, radio connaît le récessif 33,33% au lieu de 25%. Ou la 30% au lieu de 25%
Le phénotype dominant a dit qu'on est de 66,66% ou bien 70% au lieu de 75%. Et là, le cas fait ça, Moukbila, Inch'Allah.